Chers téléspectateurs dans le Seigneur, je vous bénis au nom souverain de Jésus. Cette annonce est une parole à l'endroit de tous les Joseph et Joséphine d'Arimathée. Dans le règne spirituel, la dimension a changé parce que les dispensations ont aussi changé. Lorsqu'il y a changement de dispensation, automatiquement, toutes les personnes reliées à cette dispensation voient les dispensations de leur propre vie changer et métamorphoser. J'ose croire de tout mon cœur, tout en pensant à mon épouse qui croit en la même chose, que tous ceux qui ont participé à la conférence des Joseph d'Arimathée ne l'ont pas fait parce qu'ils ont voulu le faire, mais ils l'ont fait parce que Dieu les a invités dans cette nouvelle dispensation. Ils sont le produit, la conséquence, la réverbérance, la rémanence, la réminiscence d'un changement de dispensation dans le règne spirituel. Nous croyons fermement, mon épouse et moi, que ces personnes sont des personnes prédestinées à accomplir de très grandes choses, des choses inouïes, des choses que les yeux n'ont pas encore vues, que les oreilles n'ont pas encore entendues au sein de leur famille. Dans tous les cas, c'est un défi que nous avons lancé ensemble à Jésus-Christ. Selon ce qui est écrit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Pour vous, les écluses des cieux sont ouvertes. Pour vous, la porte fermée a été ouverte parce que vous vous êtes démarqué. Vous avez montré votre zèle pour l'Éternel en honorant la grande conférence de Joseph et Joséphine d'Arimathée. Nous voulons bénir le Seigneur, mon épouse et moi, pour tous ceux qui se sont mobilisés pour la première édition de Joseph et Joséphine d'Arimathée, dernièrement dans les locaux de Easy Offices. Vous étiez tellement bien habillés que nous aurions voulu voir le temps s'arrêter. Vous étiez si scintillant qu'on aurait voulu que l'histoire se répétât. Dans tous les cas, ce vœu sera exaucé parce que l'histoire se répétera ce samedi 17 octobre à partir de 10h dans les locaux de Easy Offices, qui nous a reçus de façon extraordinaire et qui nous a obligés à renouer notre confiance, qui nous a obligés à signer un contrat de collaboration durable avec son entreprise. Bénissons Dieu pour tous ceux qui travaillent à Easy Offices. Nous bénissons Dieu pour l'accueil chaleureux et nous prions pour vous que Dieu vous bénisse et qu'il fraye devant chacun de vous sa voix. Vous êtes mobilisés à Douala. Les gens sont venus, même des parties inattendues de notre nation pour soutenir et assister à la conférence de Joseph d'Arimathée juste par amour pour bâtir la maison de notre Dieu. Je sais que quand j'ai annoncé que nous construirions le temple de Dieu en 2 mois, ça a été pour plusieurs comme étant une provocation. Pour d'autres, ils ont dit que c'est une chose impossible. Mais pour vous, les Joseph et Joséphine d'Arimathée, vous avez dit, ce rêve, nous le rendrons possible. Ce rêve, nous le concrétiserons. Ce remata à Koé, nous allons le homologuer, c'est-à-dire le changer en remata homologuos. Et nous allons en faire un logos sarx. Que Dieu vous bénisse. Et nous vous en sommes gré. Nous croyons que lors de cette 2e édition, vous serez encore plus nombreux à marquer votre zèle pour Dieu, à prendre position pour Jésus-Christ, afin que cet édifice ne soit pas seulement bâti, mais qu'il devienne une référence au Cameroun, qu'il devienne un monument en ce qui concerne l'offrande qu'un ministère peut offrir à Dieu en termes de bâtir le temple de l'Éternel, notre Dieu. Lorsque toutes les nations de la terre viendront se prosterner dans ce temple, vous qui avez participé à cette opération Joseph et Joséphine d'Arimathée, vous qui avez participé en tant que bienfaiteur, vous qui avez participé à l'opération 1 chrétien 1000 francs pour bâtir la maison de notre Dieu, je vous dis la vérité, vos noms ne seront jamais effacés de la gravure qu'elle aura bénéficié sur les parpaings de la maison de notre Dieu. Selon ce qui est écrit, Apocrypte, ô Pilatos, ô Gégrapha, Gégrapha. Et Pilate leur répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit et il ne sera plus effacé. Mon âme est dans une immense joie
Morazi wa Inesman. Lorsque l'Éternel m'a dit, tu diras à tous ceux qui sont bâtisseurs de ma maison, que dimanche le 1er novembre, ce n'est pas l'inauguration de la chapelle, mais c'est la fête de célébration de tous les Joseph et Joséphine d'Arimathée, de tous les bienfaiteurs et de tous ceux qui ont participé à l'opération Un chrétien, 1000 francs pour bâtir la maison de Dieu, de près comme de loin, au Cameroun, en Afrique comme hors de l'Afrique, en Europe, en Asie, aux États-Unis, partout. Vous êtes participants de cette grande bénédiction. Je voudrais dire merci à tous nos enfants d'outre-mer, de ceux de l'Europe, de ceux des États-Unis, de l'Asie et de d'autres et parties du monde. Vous avez montré votre zèle, votre engagement pour l'œuvre de Dieu. Vous avez montré que vous avez beaucoup aimé. Voilà pourquoi le Seigneur lui aussi, en cette saison de récompense, vous récompensera beaucoup. Parce que la Bible dit, vous serez mesurés par la mesure dont vous vous serez servis pour mesurer. Dieu vous bénisse. Nous vous aimons tellement. Vous nous avez ressemblé en ceci. Et que nous aussi, mon épouse et moi et ma maison, nous servons l'Éternel de cette façon. Nous ne faisons pas de distinction, ne faisons pas de discrimination dans ce qui nous appartient et dans ce qui appartient à l'Éternel. Parce que tout ce que nous sommes, c'est de Dieu que nous l'avons. Paul a dit, en lui nous avons l'être, la vie et le mouvement. Et donc, tout ce que nous possédons lui appartient d'office. Voilà pourquoi vous aussi, vous avez fait comme nous avons fait. Et de même que nous avons été bénis, vous serez pareillement bénis. Les gens diront que vous êtes entré dans la sorcellerie. Vous leur direz, non, j'étais un bâtisseur de la maison de l'Éternel. Ou au mieux, je suis un bâtisseur de la maison de l'Éternel. Pour ceux qui n'ont pas pu venir, joignez-vous à nous et soyons plus nombreux encore. Ce samedi 17 octobre, dans les locaux de Easy Offices, à la montée Anne Rouge, au Carrefour Intendance. Venez très très nombreux. La conférence se fera en vague comme on l'a fait dernièrement. Elle se fera de façon expéditive. Nous irons droit au but et puis nous travaillerons pour voir l'œuvre de Dieu avancer. Plusieurs personnes sont venues qui ne sont pas de notre ministère, venant d'autres églises, venant même de l'église évangélique, de l'église catholique, venant d'autres dénominations. Vous avez prouvé votre amour pour Jésus-Christ. Nous vous aimons et nous vous encourageons à ne pas baisser vos bras jusqu'à ce que cet édifice puisse être complètement achevé. Et pendant que vous le faites, Dieu vous bâtira une maison stable au milieu de votre famille. Ma prière et celle de mon épouse, la prophétesse Shalom Ekane, c'est que Dieu, à travers ce sacrifice, vous fasse accomplir une chose que personne avant vous et que personne après vous ne pourra jamais accomplir. Dieu nous exauce quand nous prions et nous croyons que cette prière est exaucée. Nous voulons dire que le 1er novembre, ce sera un jour de grande fête où nous allons graver nos noms sur les parpaings de la maison de notre Dieu. Le crépissage de la maison de notre Dieu a déjà commencé à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle ne sera pas crépie. Le 1er novembre, nous commencerons par ma famille et mon épouse. Nous allons graver le nom de notre famille sur un parpaing du mur de soutènement selon la parole de l'Éternel qu'il m'a adressée. Après nous, tous les Joseph et Joséphine d'Arimathée graveront leur nom sur le mur de soutènement qui est le fondement même de cet édifice. Après cela, tous les bienfaiteurs et tous les chrétiens qui ont participé à l'opération Un chrétien 1000 francs graveront leur nom sur les murailles de la maison de notre Dieu. Après que cela ait été fait, nous consacrerons toutes ces familles qui ont participé à bâtir la maison de Dieu à l'Éternel en les oignant d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi ne laissez personne à la maison. Le 1er novembre, venez avec vos enfants, même les nourrissons à la mamelle. Nous les remettrons à eux, l'eau ointe, à main propre, mon épouse et moi. Nous le ferons pour vous célébrer. Dieu m'a dit, célèbre les bâtisseurs de ma maison. Nous le ferons. Et ce sera un culte de grande onction d'huile de faveur. Donc chaque personne ait sa bouteille d'huile de faveur ce jour-là. Quand vous arrivez, revendiquez d'abord votre bouteille d'huile de faveur. Si vous n'êtes pas bâtisseur à la maison de l'Éternel, prenez votre bouteille d'eau ointe. Mais pour les bâtisseurs à la maison de l'Éternel, nous-mêmes nous vous remettrons à main propre votre eau ointe. Que Dieu vous bénisse. Ce sera un jour de fête où un pain spécial sera présenté dans toutes nos églises pour pouvoir célébrer ce jour-là. Vous vous serez consacrés à l'Éternel. Vos enfants seront consacrés à l'Éternel. Le pain sera présenté tous les dimanches et tous les jours de réunion dans toutes nos églises. À vous
qui bâtissait la maison de notre Dieu achetait votre pain. Il faudra dire que le prix du pain qui vous sera exposé dans vos assemblées, tout ce qui sera vendu, le prix qu'on aura utilisé pour acheter, le prix qu'on aura utilisé pour vendre, tout ce que vous mettrez au-dessus sera pour bâtir la maison de notre Dieu. Tout cet argent sera mis de côté pour le bâtissement de notre Dieu. Dans tous les cas, dans cette saison, tout ce que nous offrons comme offrande, sans discrimination, est affecté à la caisse de construction de la maison de Dieu. Nous tous, nous sommes dans ce sacrifice. Je me suis défait de toutes les prérogatives que j'ai en tant que superviseur général numéro 1 des églises Rema Ministry Mission, de tout revenu qui est mien ou celui qui reviendrait à ma famille. Je m'en suis défait faisant le vœu devant Dieu de bâtir d'abord sa maison avant de continuer à profiter des avantages que je devrais profiter, dont je dois profiter moi et ma maison. Que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse de vous un sujet d'étonnement dans cette génération. Alors le 1er novembre sera un jour de fête. Les pains seront là. Nous vous motivons, nous vous encourageons, nous vous exhortons d'acheter les pains. Habillez-vous, habillez vos enfants. Il y aura un petit défilé de mots. Dans tous les cas, le 1er novembre, c'est un jour de célébration. Tout ce que l'Église produira comme offrande ce jour, tout ce que les pains produiront, nous permettra d'achever. Parce que nous avons encore de grandes choses dans le chantier à faire. Les engins doivent venir pour terrasser, faire des terrassements. On doit faire définition à l'extérieur. Dans tous les cas, on veut viabiliser l'endroit en sorte que tous ceux qui y viendront puissent être à l'aise. Si vous êtes technicien et que votre connaissance peut nous aider à rendre cet endroit aussi beau que la Nouvelle Jérusalem, alors ne manquez pas de nous signaler votre présence. Les feutres oints seront disponibles ce 1er novembre. Les feutres oints seront disponibles. Chacun achètera son feutre oint. C'est avec ces feutres oints que nous écrirons, nous graverons à jamais nos noms sur les parpaings de la maison de notre Dieu. Ça sera un jour de fête, un jour sans discrimination, un jour de célébration où des grands cris de joie seront levés vers notre Dieu. Nous prions que Dieu nous accorde à nous tous la bonne santé pour y être. Que Dieu nous accorde à nous tous une longue vie pour y être. Que Dieu nous accorde surtout l'opportunité d'y assister. Pendant que vous préparez pour cette grande fête et pour cette grande convocation de Joseph et Joséphine d'Arimathée, ce samedi 17 octobre, que Dieu vous bénisse. Et pendant que vous, en tant que bienfaiteur, avez décidé de soutenir cette œuvre, que Dieu vous bénisse, il faut dire que pour l'opération Joseph et Joséphine d'Arimathée du 17 octobre, nous acceptons ceux qui ont une contribution de 50 000 et de 100 000 en montant. Parce que beaucoup de personnes ont dit, nous avons 50 000 et nous aimerions participer. Vous serez participants de cette grande conférence. Et ceux qui contribuent à partir de 100 000 en montant, nous vous exhortons à garder le cap. Ne rentrez pas en arrière. Nous avons permis 50 000 pour permettre aux autres de s'élever. Et vous, élevez-vous encore davantage. Je veux saluer la prouesse, saluer le zèle de ceux qui ont donné au-delà de 100 000 francs, ceux qui ont fait des sacrifices énormes. Je n'ose même pas imaginer quel sacrifice vous avez fait pour bâtir la maison de votre Dieu. Et je n'ose pas non plus imaginer le sacrifice que Dieu fera pour vous bénir en ce temps, en cette génération. Que le Seigneur soit votre bouclier. David a dit, Yahweh Rohi, Lo Eshar, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et Jésus-Christ lui-même a dit, Ego Eimi He O, Ohinen, Okalon, moi je suis le seul bon berger. Qu'il soit le berger de vos âmes, qu'il nous conduise jusqu'à la Nouvelle Jérusalem. Que Dieu vous bénisse, au nom souverain de Jésus notre Seigneur. Amen.